Bonsoir chef, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer cette astuce de chef sur un de vos plats signature? Oui bien sûr, je vais vous expliquer un peu la liaison sur un risotto, ce qui est le plat signature au logis de la cadenne. Donc en fait le but c'est justement de tout travailler à chaud. Pourquoi? Pour que le riz justement il éclate et qu'on ait vraiment tout l'amidon qui ressort. Donc on commence par faire suer les échalotes, on vient nacrer notre riz, donc nacrer, donc il faut bien faire éclater les grains. Après derrière on va déglacer au vin blanc, on va mouiller au fond blanc. Ce qui est hyper important c'est que le fond blanc faut qu'il soit tout le temps bouillant. Donc là on a lancé notre riz, là on va commencer la liaison. Donc moi je le fais à la truffe, donc la truffe elle vient de Guillaume G. Donc c'est 100% local, on est sur de la truffe qui est de Jarnac. Donc là on va commencer, donc bon l'Italie bien sûr, le parmesan, ce qui est hyper important. Et donc là on va vraiment apporter un peu de liant supplémentaire. Et là on va travailler avec de la crème montée. Pourquoi je le fais avec la crème montée? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus aérien. Donc là notre liaison, donc on voit bien à la base que déjà notre riz, il a vraiment une première liaison qui est belle. Oui, et puis là, on a l'odeur de la truffe. On a... Tout à fait. De toute façon, dans tous les cas, il faut un riz de qualité, la truffe de qualité. On va le dresser. Là, on va justement rajouter, donc il faut être généreux, il faut qu'il y ait de la truffe. On va rajouter un peu de parmesan dessus et quelques pluches de roquette. Et très bonne dégustation. Merci beaucoup, chef.